Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo custom Playmobil et dans cette vidéo je vais vous présenter la customisation d'un chevalier Playmobil en version Godefroy de Montmirail du film Les Visiteurs. Donc pour faire ce custom, j'ai démonté plusieurs figurines Playmobil afin d'en créer une avec les éléments ressemblant au personnage que je veux représenter. Du coup nous avons la masse d'armes, l'épée, le home et pour finir le camail. Nous avons également le ceinturon et le tabard. Pour finir, on appliquera également une cape. Donc je vais passer une couche d'après sur les parties principales de la figurine. Alors on va commencer par le buste qui représentera le tabard. Et donc on va appliquer une couche de XF52 Flat Earth de marque Tamaya. Ensuite on continue par les effets métalliques et notamment avec le home où j'applique une couche de peinture gunmetal sur la totalité du casque. Elle servira de couleur de base et sera patinée par la suite. Par la suite, j'applique la même couche de peinture gunmetal sur tous les effets métalliques, à savoir le camail, l'épée, la masse d'armes, avant d'y appliquer un brossage à la peinture chromée. Par la suite, je démonte la figurine et je peins la partie inférieure. Toujours de la même peinture XF52 Flat Earth. Donc maintenant, on va reproduire le blason sur le tabard et on va commencer par une peinture. Et on va commencer par réaliser un V inversé. Avec de la peinture sable ou marron clair. On ajoute également une touche de vert représentant le bas du blason et on finit par la partie supérieure du blason avec du bleu royal. Puis on n'oublie pas les touches de rouge afin de compléter et de terminer ce blason. On revient sur le home en appliquant des ornements couleur or sur le casque. Je peins la cape de la même couleur que le tabard, à savoir du XF52 Flat Earth. Donc on remonte entièrement la figurine afin de voir le résultat. Donc voici le résultat de ce custom d'un chevalier Playmobil en Godefroy de Montmirail, des films Les Visiteurs. Le résultat est plutôt satisfaisant et surtout cohérent avec le personnage de ces films. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour toute question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et moi je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. Ciao!